maison. Bah, tu connais. À moi, Boyin Tubilanga, mi veux que ça va, mais bois le bon foie. Bois le bois foi, Bois le bon c'est-à-dire que foie. le pays est mort, c'est Voilà, ça? exactement, c'est ce que ça veut dire. Bon, on ne vous présente plus, hein, on va directement aller à l'essentiel. C'est que vous nous donniez votre avis sur les questions majeures de l'actualité congolaise. Robert Kwachipongo, RPP sur Congo Liberty. Alors, comme vous le savez, le pays aujourd'hui traverse une crise financière très 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 difficile. Les virements Western Union, MoneyGram au Congo ne se font plus. En tout cas, il y a une interruption. On ne peut plus retirer ni envoyer. Il y a le FMI qui était au Congo-Brazzaville. Il y a des discussions pour l'octroi d'un crédit au gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que, en tant qu'humain, là je ne parle pas de l'opposant que vous êtes, il n'est pas préférable que le FMI octroie un crédit à M. Denis Sassou Nguesso pour essayer de colmater les brèches économiques du pays? Merci beaucoup, monsieur Mouba. D'abord, je voudrais vite repréciser pour corriger que je ne suis pas un opposant. J'avais dit ça et j'avais expliqué que quand je suis revenu de Brazzaville, j'ai dit que je n'étais pas un opposant. Les opposants, aujourd'hui, on connaît ce qu'ils sont. Vous êtes Et quoi? je suis celui-là qui fait de la politique dans le sens humain du terme. Et les opposants, c'est des opposants à quoi? Au pouvoir, au régime. Monsieur Denis Sassou Nguesso a mis en place un pouvoir qui émane d'un coup d'État. Donc, ceux qui s'opposent, un opposant, c'est celui qui attend demain son tour. Ce n'est pas le. J'aurais pu dire que j'étais un résistant. C'est ça que j'aurais pu dire. Que je ne suis pas un opposant, mais un résistant au régime qui a pris le pouvoir par coup d'État et qui détruit le pays aujourd'hui. Les opposants, ils sont là, vous les connaissez. Mais moi, je ne suis pas un opposant. Je pourrais dire que je suis un résistant qui combat cette façon d'accéder au pouvoir. Et tout le monde est dans le même panier pour moi. Alors, on va donc revenir à la question que je vous ai posée en ce qui concerne le FMI et la crise financière au Congo. Exactement. Alors, pour le FMI, je veux vous dire une chose, que le FMI ne doit pas l'argent à M. Denis Sassou Nguesso. Le FMI doit de l'argent au Congo-Brazzaville. Parce que le FMI, les gens ne connaissent pas comment fonctionne le FMI. Le FMI reçoit les cotisations de chaque État membre. Et le fait de recevoir les cotisations de chaque État membre, le FMI a aussi un autre rôle, celui de contrôler le fonctionnement des finances ou des États membres. Donc aujourd'hui, ce qui se passe à Brazzaville, le FMI est comptable de ce qui se passe. Parce que le FMI qui reçoit les cotisations de l'État de la République du Congo, et pas de Denis Sassou Nguesso, a un rôle de contrôleur. Mais malheureusement, le FMI ne l'a pas fait et ne le fait pas. Et c'est le système, parce que le FMI aujourd'hui, je peux vous aussi le dire, que le FMI, le patron du FMI, a souvent été nommé par. Ça doit être un francophone. Donc c'est plus un candidat de la France qui est donc le directeur général du FMI, qui a souvent été le directeur général du FMI. La Banque mondiale, c'est les États-Unis. Et le FMI, c'est la France. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Pourquoi cette dureté du FMI? Mais c'est parce que Emmanuel Macron a certainement, je ne suis pas dans son esprit, je ne suis pas dans son cabinet, mais Emmanuel Macron a certainement un compte à régler avec M. Denis Sassou Nguesso. Ils ne sont pas de la même génération que Non, ils ne vous. sont pas de la même génération, mais le président de la République française, comme je l'ai toujours dit et je le répète, c'est le président du Congo et des États membres de de la francophonie. C'est lui qui est le président et Sassou le sait. Et ce qui est en train de se faire, c'est quoi? Si Emmanuel Macron était de mèche avec M. Denis Sassou Nguesso, le problème du FMI, on n'allait même pas l'entendre. On allait débloquer, il allait donner juste un mot d'ordre au directeur général du FMI qu'allait débloquer vite le problème du Congo. Mais il a un compte. Il a un compte à régler, certainement, parce qu'il connaît les pratiques de M. Denis Sassou Nguesso, qui a toujours financé les hommes d'État français
pour lui garantir la fonction de président là où il est. Monsieur Macron, il connaît ça, et c'est pour cela que vous êtes en train de voir que le FMI est dur envers le Congo aujourd'hui. Le FMI est dur, monsieur Robert Poitiers-Pongo, mais est-ce qu'au final, en tant qu'humain, en tout cas humaniste que vous êtes, il n'est pas préférable que le FMI octroie un crédit à monsieur Denis Sassou Nguesso? Il y a des grèves, les gens ne mangent plus au Congo-Brazzaville. Est-ce que c'est... Monsieur Macron, voilà, c'est pour vous dire tout simplement que M. Macron ne veut plus de M. Denis Sassou Nguesso. Vous en avez la certitude? Oui. Compte tenu de ses pratiques, je vous ai dit la dernière fois qu'il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Et il sait ce qui s'est passé pour, entre Valls et François Hollande. Il en sait quelque chose, M. Emmanuel Macron. Si, vous n'êtes pas, si on n'est pas en train de savoir lire les signes, tant pis pour nous. Mais M. Macron a affiché son visage. Son visage est clair sur M. Denis Sassou Nguesso. Il nous revient à nous. Si on veut que le problème du Congo financièrement soit résolu et rapidement, mais c'est le départ de M. Denis Sassou Nguesso qui est exigé. Mais il n'exprime pas, mais il exprime par l'entremise du Fonds monétaire international. Alors, voilà. Robert Poitiers-Pongo, pour rebondir sur ce que vous dites, pour en tout cas rétablir une bonne gouvernance au Congo, il faut le départ de M. Il faut le départ de M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que, dites-moi, est-ce que lorsqu'on voit l'état des résistants que vous êtes avec d'autres et de l'opposition congolaise, on a bien vu que tous ces candidats à l'élection présidentielle qu'ils étaient dans une espèce d'alliance a fini par voler en éclats, que même le départ de M. Denis Sassou Nguesso risque de ne rien régler, surtout que les caisses sont vides. On risque de nouveau entendre parler de gouvernement à la campagne. Non, on nous a... ça c'est le Kunzu qui avait dit ça en son temps. Sur M. Lissouba, il savait que M. Sassou était en train de coincer ici pour faire chuter tout président élu depuis Youlou. L'ancien président Youlou, avant Pascal Lissouba, c'était Youlou. On l'a coincé. Au bout de 3 ans, Youlou est tombé parce que ça, on sait d'où ça venait, ce coup de la chute de Lissouba. On savait d'où ça venait. La chute de Youlou, j'allais dire, on savait d'où ça venait. La chute de Lissouba, c'est pareil, on sait d'où ça vient. Maintenant, donc, mais sachez, rappelons-nous, souvenons-nous qu'avec André Milongo, au bout de 14 mois de transition que nous avons eu, j'étais là, j'étais moi-même membre du Conseil supérieur de la République, au bout des 14 mois, André Milongo a tout fait pour redresser l'économie de ce pays. Mais avec quels moyens? Avec les moyens de bord. Il l'a fait. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que si ça se... Le contraire, il faut qu'il parte. Et je vais rebondir sur une chose, M. Lingua, permettez-moi. Vous savez, à Antoinette Sassou Nguesso, on lui avait demandé à Pointe-Noire de dire à son mari de s'en aller, donc de ne pas toucher à la Constitution. Qui lui avait dit? Eh bien, les sages de Kouilou. Les sages de Kouilou, pourquoi les sages de Kouilou? Souvenez-vous de cette humiliation que M. Denis Sassou Nguesso a l'habitude de pratiquer. Il pratique l'humiliation. Il l'a fait sur les sages de Kouilou. Nous avons réagi à cette époque en 2014. Moi, j'avais réagi. Et cela a fait que M. Denis Sassou Nguesso envoie sa femme voir les sages de Kouilou et qu'ils lui ont demandé de ne pas modifier cette constitution-là. M. Denis Sassou Nguesso s'est entêté. Et la région du Kouilou et de Pointe-Noire, le Lion fait savoir en mars 2016. En mars 2016, la région de Kouilou et de Pointe-Noire, le Lion fait savoir que nous ne voulons plus de toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Or, nous constatons aujourd'hui que finalement, Antoinette Sassou Nguesso joue un rôle macabre. C'est-à-dire? Le rôle macabre qu'elle joue, c'est celui qui consiste à aller amadouer, tromper la population du Kouilou au profit de son mari, Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, quand il allume le feu,
Elle, il envoie Antoinette aller éteindre le feu, aller tromper les sages du Kouilou, aller tromper les cadres du Kouilou pour leur dire que, ben non, voilà, donc c'est, elle est responsable. Je dis bien Antoinette, vous êtes responsable de ce qui se passe actuellement, non pas qu'au Kouilou, mais dans le Congo. Parce que la France, la puissance de la France est assise sur Pointe-Noire. Et c'est vous qui avez accepté d'aller jouer dans cette région le rôle d'aller tromper les sages, les responsables vili, pour que cette région ne puisse pas se lever et riposter et répliquer. La corruption, vous en avez fait votre leitmotiv. Robert, et ça avec la complicité de votre mari. Alors, Robert Poitiers, voilà. Quelque part, vous êtes en train de nous dire, oui, est-ce que vous ne donnez pas trop de pouvoir à madame Antoinette Sassou Nguesso, oui, qui aurait amadoué, sinon... Par la corruption. Par la corruption. Par la corruption. Est-ce que le problème, c'est pas la corruptibilité, ouais, de, non, ces sages, non, ou de l'élite du Kouilou? C'est la question. C'est Denis Sassou Nguesso et vous, et vous n'avez, pourquoi vous n'avez pas été corrompu et les autres, il faut accepter d'être corrompu. Aujourd'hui, je suis à l'extérieur. Et à l'intérieur aussi, il y a des gens qui n'acceptent pas la corruption. C'est vrai. Et il y a des gens qui sont corruptibles. Robert Poitipongou, sur Congo Liberty, vous accusez Madame Antoinette Sassou Nguesso d'avoir corrompu, amadoué les populations du Kouilou, mais est-ce que ce ne sont pas les sages dits du Kouilou ou l'élite du Kouilou qui est corruptible et Madame Sassou n'a fait que accompagner la corruptibilité de ces gens-là? Monsieur Bingoua, dans ce délit... Il y a le corrompu et le corrupteur. Et je pense que les deux ont la même sanction quand ils passent devant la justice. Et s'il n'y a pas de corrupteur, il n'y a pas de corrompu. Et Madame Denis Sassou Nguesso, non seulement qu'elle a pratiqué cela, mais elle a trompé les gens. Elle n'a pas corrompu tout le monde. Ce n'est pas possible. Mais elle a trompé les gens. Et j'ai même des propos que j'ai entendus qu'elle a dû utiliser là-bas à Pointe-Noire, tout récemment, quand elle est repartie de sa maladie, que aller voter, montrer que ce qui s'est passé en mars 2016, vous vous étiez trompé seulement. Ça veut dire que, est-ce que c'est M. Denis Sassou Nguesso qui l'utilise pour, à ses fins, à ses propres fins, aux fins de M. Denis Sassou Nguesso et le Nord, et le pouvoir au Nord? Ou c'est elle qui prend part active, dans ce mécanisme qui a conduit à la destruction, non seulement que du pays, de tout le Congo, mais de la partie sud et de Pointe-Noire en l'occurrence. Est-ce qu'elle n'est pas responsable? Est-ce qu'elle n'a vraiment pas la responsabilité de cette situation-là? Mais pourquoi vous ne condamnez pas? Vous condamnez, voilà, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Ok. Mais pourquoi, oui, vous ne condamnez pas tous ceux qui sont corrompus là, les sages? Vous protégez les vôtres encore? Non, il ne s'agit pas de protéger les miens. S'ils sont corrompus. Monsieur Mingoua, moi, si je ne viens pas vous voir pour vous corrompre, comme ça se passe ici, les électeurs ne peuvent être corrompus que quand il y a un corrupteur. Les électeurs, dans l'affaire, dans le 15e arrondissement, nous savons que s'il y a eu des corrompus, c'est qu'il y a eu les corrupteurs. Et c'est le corrupteur qui a été sanctionné. C'est le corrupteur qu'on sanctionne. Le corrompu, il peut dire que non, mais c'est de l'argent qu'on est venu me donner, je ne savais même pas pourquoi. Mais à la fin, par habitude, il rentre maintenant dans le mécanisme. Mais c'est le corrupteur. Robert Poitipon, voilà, il y a un fait qu'on doit relever ici. Il y a beaucoup, oui, qui disent que finalement, dans le Kouilou, les gens sont corruptibles, oui, et que Madame Sassou ne serait pas, oui, issue du Kouilou. Est-ce que vous la condamnez parce qu'elle est originaire du Kouilou? Mais beaucoup disent que non. Du Kouilou, est-ce que Madame Sassou vous est, savez, est du Kouilou? Si oui, elle est de quel village? Jusque-là, si franchement, je ne peux pas me prononcer avec exactitude sur son attachement à la région du Kouilou, ses origines à la région du Kouilou. Et sinon, peut-être que son village natal, comme moi à Titondi, elle qui est au pouvoir depuis des années, son village natal serait aujourd'hui comme Oyo.
Non, elle est du Kwilu, oui ou non? Mais c'est ce que je dis, que si elle avait un village natal dans la région du Kwilu, certainement que là où je ne sais pas, je ne peux pas vous l'affirmer, et sinon que ce village-là serait, il y aurait le courant, l'électricité, comme à Ouyo aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas comprendre qu'elle soit de la région du Kwilu, mais que quand elle va dans cette région, c'est à Pointe-Noire qu'elle s'arrête, certainement, elle s'arrête là, mais et certains également auraient même dit que la tombe de tous ses parents se retrouverait de l'autre côté, dans la République démocratique du Congo. Donc je ne peux pas vous définir aujourd'hui avec précision si elle est de la région du Kwilu ou non. Robert Poitipongo, voilà. Sur Congo Liberty, vous parlez du départ de M. Denis Sassou Nguesso. On voit bien que le peuple congolais qui est sorti dans la rue en 2015 n'a pas pu le faire partir. Le peuple a été massacré. Oui. Aujourd'hui, beaucoup disent que seule l'armée peut faire partir M. Denis Sassou Nguesso. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion-là? Ou est-ce que vous encouragez les militaires à renverser M. Denis Sassou Nguesso? Aujourd'hui, M. Bingwa, c'est l'un des sujets que j'ai retenu pour vous exposer. L'armée aujourd'hui est co-responsable de la tragédie qu'est en train de vivre le poule. L'armée est co-responsable. Parce que dans le code du soldat, il est fait mention qu'un soldat a le devoir de protéger non seulement son adversaire quand il est désarmé, mais surtout de protéger le peuple. Le code du soldat, il concerne toute la catégorie des militaires, du général jusqu'au soldat de première classe. À partir du moment où tu peux être commandé, tu es comme un soldat. Un soldat, c'est le militaire. Ce qui se passe dans la région du Poule, tous les militaires sont responsables. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas demander à l'armée de prendre le pouvoir. Ce n'est pas à l'armée de prendre le pouvoir. C'est aux civils de prendre le pouvoir. L'armée n'a qu'un seul rôle. C'est celui de protéger les civils, les politiques qui manifestent le besoin de changer un pouvoir. C'est le devoir de protection et non pas de prise de pouvoir. J'entends bien, mais vous savez j'insiste. Que l'armée a été façonnée à l'image de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà, donc ce n'est pas cette armée-là qui doit prendre le pouvoir. Voilà. Ce n'est pas cette armée-là qui doit prendre le pouvoir. Parce que l'ensemble des généraux... Quelle armée doit prendre le pouvoir? Est-ce que c'est celle de M. Ntoumi? Non, M. Ntoumi n'est pas un... M. Mingwa... Je ne fais que poser des questions. Oui, M. Ntoumi, là où il est, il sait comment il est arrivé dans cette région du Pôle. Les gens ignorent ce que M. Ntoumi a fait quand il est rentré dans le Pôle. Savez-vous qu'il y a eu des affrontements entre les ninjas de Bernard Colella et les Njiloulou de M. Ntoumi en 1998? Le saviez-vous? Est-ce que les gens se souviennent de ce qu'il y a eu comme attitude ou comportement des Njiloulou auprès des populations de la région du Poule? Pour que certains pensent aujourd'hui que M. Ntoumi, c'est le résistant militaire. Non! Moi, j'ai toujours dit, M. Ntoumi, il sait comment il a fait pour rentrer dans le Poule. Il le sait. Aujourd'hui, c'est quand même, c'est le seul opposant selon certains. Vous pouvez quand même l'encourager. Mais pourquoi? Moi, c'est-à-dire que pourquoi du nord de Makoua ou d'Infondo jusqu'à Pointe-Noire, il n'y a pas d'autres militaires résistants que dans le Poule? Pourquoi il n'y a que dans le Poule où on trouve des militaires qui résistent? Mais pourquoi pas dans la région du Kwilu, du Niari, de la Bouenza, de la Lekoumou, des plateaux? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais oui, donc quand on me parle de Ntoumi dans le Poule, je dis non, Ntoumi n'a qu'à sortir dans le Poule pour que la région, la population de l'Ari du Poule
puisse vivre comme les autres populations. Je parle de population, je ne parle pas de résistants. Je ne parle pas de résistants, mais je parle de population. Et la population du pool aujourd'hui est massacrée et parce que M. Ntoumi est dans le pool. Mais je dis ceci maintenant, je profite de dire ceci, M. Mingwa. Est-ce que dans d'autres régions, ils n'éprouvent pas la même, ils n'ont pas la même préoccupation de résister, de prendre les armes comme aurait fait, comme fait, dit-on, M. Ntoumi. Mais pourquoi dans notre région, de la région de la Likwana, de la Sanga, des plateaux, pourquoi ils ne prennent pas les armes? Pourquoi tout le monde soutient Ntoumi? C'est pour ça que je dis, finalement, c'est comme s'il y avait une complicité. De voir M. Ntoumi continuer à rester dans le pool pour que les Lari et le pool soient détruits et les Lari soient massacrés. Donc on dirait que c'est une complicité de toutes les régions qui ne veulent pas qu'il y ait des armes dans leur région, dans les autres régions, et on veut seulement qu'il y ait des armes dans le pool, et c'est pour ça que naïvement ou d'une manière hypocrite, on soutient Ntoumi. Voilà. Kwatu Pongo sur Congo Liberty. En ce qui concerne le pool, il y a eu une rencontre entre M. Denis Sassou Nguesso et des personnes qui ont été présentées comme des sages pour une sortie de crise. Est-ce que cette initiative-là n'est pas à saluer en voyant que les sages, certains hommes politiques du pool, prennent à bras le corps avec M. Denis Sassou Nguesso ce problème pour enfin arrêter ce conflit? Voilà. Monsieur Mingwa, vous savez, j'ai un grand plaisir de débattre avec vous, des interviews avec vous. Je vais vous dire maintenant quelque chose de très, très clair. Monsieur Denis Sassou Nguesso, en faisant appel ou en acceptant de recevoir les sages du pool, quel est le message qu'il fait passer à travers cette rencontre-là? Cette rencontre a un seul objectif, de rendre coupables les fils du pool sur ce qui se passe dans le pool. C'est-à-dire que, pour M. Sassou, le fait de recevoir les sages, c'est comme si les sages étaient partis demander pardon. Donc, quand les gens se déplacent pour aller voir M. Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire pour M. Denis Sassou Nguesso, il veut montrer que voilà, ce n'est pas moi, ce sont vos fils qui font le désordre dans la région du Poule, et c'est pour cela que, bon, donc le déplacement des sages du Poule vers M. Denis Sassou Nguesso, un, c'est un montage. Deux, c'est pour M. Denis Sassou Nguesso de montrer que non, c'est les gens sont venus me demander pardon, et les gens sont venus demander mon concours pour leur faire débarrasser de la bête qui est dans la région du Pou. Et c'est ce qu'il avait fait, c'est la même chose qu'il avait fait pour les sages de la région du Kouilou. On parle c'est la même chose. De vouloir humanitaire pour que ces jeunes-là qui sont avec le pasteur Ntoumi sortent avec leurs armes. Certains disent que c'est une bonne chose. Moi, j'ai écouté une personne que vous avez sûrement bien connue, Madame Iburitso, l'ancienne députée du MCDD, disait que c'était une bonne chose. Oui. Mais certains disent que pour les disparus du Beach, il y a eu un couloir humanitaire, les gens ont été massacrés. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est plutôt... la situation, il y en a qui ne connaissent pas ce qui se passe à Brazzaville depuis 1997. Il y en a qui ne le connaissent pas. Il y en a qui ne savent même pas que ça part de mai 97, quand il y a eu les bombes lacrymogènes qui ont été pulvérisées sur les populations qui allaient chercher leur bulletin, leur carte d'identité au boulevard, au palais de congrès. Que ça part de là, ces choses-là. Les gens ne savent pas. Cette histoire du Congo, je l'ai vécue et je l'ai connue. Et je vais vous dire une chose, une fois de plus. Il n'existe pas de résistance dans le pool. Ils ne sont pas des résistants. Parce que s'il y avait... Et ces résistants-là, ils sont là pour quoi? Si c'était pour la prise du pouvoir, mais ils seraient partis à Mpila ou à Ouyo, mais pas rester dans le pool. Et ces gens-là, les pauvres paysans qu'on pense, qu'on dit être des résistants, ils ont quelles munitions? Ils ont quelles armes? Ils n'ont rien. C'est des montages. C'est des montages du pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso avec
ce qu'on appelle par l'armée, qui en fait qui n'est pas une armée, mais qui est une milice, parce que c'est une, pourquoi une milice? C'est parce que cette milice-là ne respecte pas le code du soldat qui consiste à, un, protéger, même si c'est un adversaire, mais dès lors qu'il est désarmé, il faut le protéger. Deux, il faut protéger la population. Or, cette armée-là va dans le pôle pour tuer. L'armée de M. Voilà. Denis Sassou Nguesso va dans le pôle pour tuer, selon M. Robert Poitiers-Pangou. Mais ça fait 20 ans que M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Oui. Est-ce qu'il n'est quand même pas mieux de saisir la proposition qui est faite de dialogue pour enfin discuter avec lui et peut-être le faire partir dans des conditions adaptées? Moi, est-ce que vous êtes pour le dialogue? J'ai jamais craint un dialogue. Je veux vous dire ici que celui qui craint le dialogue et qui veut qu'il évite et qui ne veut pas du dialogue, je vais dire encore plus, qui ne veut pas du dialogue, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Qui ne veut pas du dialogue parce qu'il sait que à travers le dialogue, il est parti. Donc, moi quand j'entends des amis dire pas de dialogue, dialogue, pas de dialogue, dialogue, mais c'est parce que tout simplement, ils ne savent pas que c'est M. Denis Sassou Nguesso qui fait tout pour monter les uns contre les autres en disant que non, il ne faut pas de dialogue. D'autres disent, mais c'est les mêmes, c'est lui qui gère ça. Et à la fin, on pense que Sassou dit que non, mais ben voilà, il y a des gens qui ne veulent pas du dialogue. Mais M. Denis Sassou Nguesso, le dialogue pourquoi? Mais il est très important. Mais on a fait un dialogue en 1990-91. Mais le dialogue, on sait comment, qu'est-ce que ça a accouché. Mais c'était quelque chose de bien. Mais vous avez besoin d'un dialogue, M. Denis Sassou Nguesso? Mais allons au dialogue. Et de quel dialogue? Soyons clairs. Parlons du problème entre le Nord et le Sud. Parlons de ce problème-là. Qu'est-ce qu'on dialoguerait? Est-ce que c'est le eh ben voilà. M. Sassou Nguesso? Non, c'est un problème. Moi, s'il y a dialogue, très honnêtement, s'il y a dialogue aujourd'hui, je vais parler du problème du pouvoir entre le Nord et le Sud. Mais ça ne suffit pas. Et si, il faut faire parce que M. Denis Sassou Nguesso. Non, les gens pensent aussi, les gens pensent, M. Mewa, que la mort de Denis Sassou Nguesso va permettre... Non, mais Marie Ngouabi est mort, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Donc en fait, ce n'est pas... moi, je veux parler face à face avec mes frères du Nord du problème du pouvoir, et c'est là où se justifie l'État du Sud du Congo. Parce que l'État du Sud du Congo, auquel nous pensons qu'effectivement que ça va arriver, parce que tous les gens du Nord, même s'ils sont contre Denis Sassou Nguesso, mais ils veulent que ce soit un fils du Nord qui remplace M. Denis Sassou Nguesso. Robert Poitiers-Pangou, voilà. Sur Congo Liberty, on va terminer par le volet des opposants congolais, puisque oui. Vous avez fait une différence entre les résistants et les opposants. Oui. On a vu que le chef d'état-major de M. Denis Sassou Nguesso a retiré la garde qu'il avait allouée à M. Charles Zachary Bouaou, aujourd'hui, qui se revendique comme opposant. Oui. Alors, est-ce que par cette démarche-là, M. Denis Sassou Nguesso ne montre pas son animosité contre tous les opposants, qu'ils soient du Nord ou du Sud, on a bien vu là avec M. Bouaou, ou comme le disent certains, beaucoup ont été étonnés de voir qu'en tant qu'opposant, M. Bouaou, bien qu'ancien ministre, avait encore des gardes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Je voulais dire, voilà pourquoi j'avais dit, quand je suis revenu de Brazzaville en mars 2016, que je n'étais pas opposant. Parce que tous les opposants ont des gardes-corps, ou ils ont des gens qui veillent sur eux. Tous les opposants, ils ont de garde-corps. En ce moment-là, les opposants, c'est là que j'avais défini que les opposants sont des gens du système. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont aimé le coup d'État. Donc aujourd'hui, c'est Sassou qui est au pouvoir et ils attendent leur tour. Mais c'est long que c'est pour ça que j'avais dit que je ne suis pas opposant. Je suis, aujourd'hui, je peux m'identifier comme un résistant et comme quelqu'un qui répudie ce qui s'est passé le 5 juin 1997. Qu'est-ce que vous dites sur la situation des gardes? Est-ce que Mme Mounari, je ne sais pas, il faut qu'on nous dise maintenant si Mme Mounari a encore des gardes payés par le gouvernement, M. Kolela, en tout cas, qui se revendique comme opposant. Mais M. Mingwa, quand je dis que les opposants, ils sont protégés, moi je peux aller à Brazzaville comme je veux et quand je veux. Parce que ma vie ne dépend pas de M. Denis Sassou Nguesso. Moi je suis Vili. Et lui, il est Mbouchi. Même ici, en France, le président Macron n'a pas vie. C'est pas lui qui tient la vie
du citoyen français. Donc moi, je peux aller à Brazzaville comme je veux et quand je veux, parce que je ne suis pas de la famille de M. Denis Sassou Nguesso pour que lui puisse m'interdire. Non. Robert Paul voilà. Congo sur Congo Liberty. On arrive au terme de notre émission. Oui. Le mot de la fin. Le mot de la fin, il est clair. Je vais me résumer en disant ceci, que Antoinette Sassou Nguesso est coupable, je dis bien, elle est coupable et complice de son mari. Et si c'est son mari qui l'utilise pour détruire la région du Kwilu, alors là j'appelle toute la région du Kwilu de ne plus jamais écouter Antoinette Sassou Nguesso parce qu'elle a participé à la destruction de cette région. Et je vais en venir à l'armée. L'armée est complice à tous les niveaux. Parce que même le militaire qui est militaire de carrière formé ne devrait pas accepter voir ce qui est en train de se passer dans le pool. Le code du soldat est clair. Et donc on ne peut pas, un militaire de carrière ne peut pas venir dire aujourd'hui que oui, je ne pouvais rien. Non, le militaire, le soldat a le droit d'obéir et a le droit de refuser. Quand un soldat a le droit de refuser une mission, et comme il est soumis à l'obligation, mais il a également le droit de dire non à une mission qu'on lui confie, une mission dont il pense qu'il est hors du code du soldat. Donc voilà pourquoi les militaires, à tous les niveaux, sont aujourd'hui, pour moi, ils sont coupables de ce qui est en train de se passer dans la région du Poule. C'était l'interview de Robert Poitou-Pongo. On retiendra donc l'interpellation de Mme Antoinette Denis Sassou Nguesso et oui. Puis les soldats qui, pour lui, ne sont pas à la hauteur, devraient refuser de soutenir M. Denis Sassou Nguesso et d'aller faire la guerre dans le Poule. A très bientôt, M. Poitou-Pongo. Merci beaucoup, M. Denis. De vous recevoir. Merci.